Aussitôt saisis de mécontentement dont leurs employés ont eu à manifester tôt le matin de ce mercredi 10 février, les responsables de l'entreprise Henry Metal Congo avec la délégation des travailleurs sont allés voir les autorités pour une solution durable. D'abord au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Après un long moment d'entretien, Dieuda Kapenda Wakapenda les a orientés d'aller voir la directrice provinciale de l'emploi et travail, Marie-Louise Moussenga Mafou, qui a permis aux deux parties de parler un même langage. Et toutes les revendications ont été prises en compte, notamment l'amélioration des salaires, la restauration, l'hôpital et la direction des ressources humaines qui doit être gérée par un Congolais. Nous avons demandé que l'administration soit entre les mains des Congolais. Parce que un DRH chinois expatrié, ça c'est pas la loi. Dans la loi, on a prévu que même le DG peut être aussi congolais. Mais comme eux, ils n'ont pas confiance aux Congolais, je ne sais pas. Alors on a demandé à ce que le directeur soit chinois, mais les ressources humaines et les personnels soient gérés par le Congolais. Ça, ils ont accepté. Les Chinois, ils ont accepté. Léo, Banapati a solution, Banasema, le contrat là, c'est déjà résolu. Donc déjà, Mouetta congolais, comme Aoui a signé quand il est contrat, mais on s'en pitié, déjà à 4. 22 jours. Comme on s'en 22 jours, Aoui a signé contrat. Déjà, automatiquement, on est déjà indéterminé. Donc le problème là du contrat est résolu. On a demandé à ce que salaire et tout, il prend des coups et il y a bien, de sorte que toi, c'est bien. Il est salaire, on a revoir déjà à un bref délai, tu as résoudre les problèmes. On a parlé aussi il y a Chakula. Donc on a Tumika mais on a Kula Mukate. Ça c'est un problème qu'on a aussi résolu. Désormais, il y aura des réfectoires congolais, on va préparer pour vous pendant pause à côté, tu bénéficies aussi de Bukari. Donc on a Pena Bukari, on a Kula et ça sera un peu varié. Donc c'est pas seulement qui la chic Bukari na Thompson. Donc ça va varier, tout ça on a résolu. Une satisfaction de l'entreprise sur cette médiation. Nous encourageons vraiment les autorités comme ils se sont impliquées pour trouver quand même des solutions. Alors pour ça, je remercie vraiment nos chers collègues, travailleurs et je les demande encore une fois de regagner leur poste de travail parce qu'on est en train de faire le tout pour que le calme revienne et que le tout soit réglé au même moment. Donc vraiment, on va exécuter ça. Et comme on a toujours eu l'habitude d'exécuter ça, tout sera exécuté. Non, c'est notre parole déjà, on vous le promet. Le responsable de la police sur place met pour sa part en garde les travailleurs qui barricadent des routes. Le message est que les travailleurs sont en train de se faire. Il est en train de se société. Il est en privé. Imaginez-vous, il est en train de se faire pour qu'on puisse où les baba na kwa na matomati yake na toka naye kwake enda ujishe tomate mobile alishe batoto yake munafunga njia tomate yake naoza yeko na batoto qu'est-ce que lui a faire na mambo ya société yenu ambulance par exemple si ujishe munafunga njia ambulance inatoka na mgonjwa ipeleke mgonjwa kwa hospitali wewe munafunga njia alors prochainement banduku kama unafunga njia una trouble ordre public. Na wakati polisi takuya inakuwa jua kuretablir ordre public ile ko trouble. Tutakufunga. Wakati kuna tupa majiwe, bantu bako nakuona. Unaribisha motoka mtu bantu bako nakuona. Leo tukufunga, kesho tutakuya kufanya enquête. Ile jua nayo tupaka. Paso tupa ilikuwa mchana bantu walikuwa nakuona. Bantu batatutaya ke ni fulani ndio alitupa. Utashituka ta demo après tunakupeleka mu prison. Tout juste après, la délégation des travailleurs accompagnée de leur chef ont rapporté les conclusions à leurs collègues. Les Chinois, ils nous ont promis que tout ce qu'on a demandé, ils vont le faire. Alors, demain déjà, il y a une descente, il y a Bajan, il y a le syndicat, Batakuya, Kwangari, applicabilité à Mambo. Dans trois jours, Bataona, Kama, ça va. Et puis, on va constater, déjà la fin de ce mois, tu as constaté déjà amélioration et salaire. Déjà. Donc, tout va bien. Mambo Bunga, on a Urikimbi à Kaji, trois jours, Akuna Bunga, il est Mambo Inaïsa. Bunga Yako, Itaipata. Mambo ya Chaku Chaku Miembo Inaïsa. Donc, Nibukari, Akuna Tena Mambo ya Mikate, Midi.
Mambo ya batoto, hôpital, tout est réglé. Donc, tel que tu es là, tu es reconnu comme un travailleur qui travaille dans ma condition et il y a bien. Donc, parlez-en aux autres, faites large diffusion. Grève inaïsa. Donc, à Kounaté, na grève. On est satisfait, mais une promesse reste promesse. Nous voulons l'applicabilité. Vous voyez, nous voulons qu'ils mettent ça en application. Ils nous ont promis, nous sommes d'accord. C'est pourquoi on a demandé à nos frères de se calmer. Maintenant, par rapport aux promesses, nous voulons maintenant qu'ils appliquent ça. Le syndicat a quant à eux la mission de faire respecter les compromis pour éviter que de telles manifestations se reproduisent dans les jours à venir.